Cassettes et disques, tu passes? Ouais. Oui. Elvis, là, y a-tu décédé chez vous? Non, il est décédé à Memphis, monsieur. Ouais, as-tu des cassettes d'abord? Des cassettes, j'en ai 5. Ouais, mais sont-tu bonnes? Moi, j'aime beaucoup les 5 cassettes. Ouais? Ouais. Moi, j'aime bien mieux les bingos, mais. On a également des livres d'Elvis, si ça peut vous intéresser, là. Ouais, on laisse ça, je lis pas, moi. Ah non? Moi, je lis les scores du baseball puis les numéros de la loto, mais. Ah, vous lisez des chiffres? Ouais. Vous êtes un lecteur numérique? Bonne petite joke, ça, là. Merci. Bon, ben, laser à rien qu'on continue à parler, il m'a raccroché, moi, là. Laser. Il faut qu'on s'en aille, moi, puis ma blonde, là. Il faut qu'on pacte. Ah, compact. La pointe-tu, là? Hey, raccroche donc ça, ce petit téléphone-là. Pardon? Ah oui, raccroche-toi, toi, là. Pardon? Bon, là? Ouais. C'est quoi le disque, tu veux, là? L'album du peuple, tome 2. C'est des disques, bonjour. Ouais, l'album du peuple. Tome 2? Ouais. Ça se vend pas par disque, monsieur, ça se vend par câble, ça faut appeler le câble du peuple. Mona? Ouais. Il doit être gros, en maudit, ton disque, il faut qu'il vienne le livrer qu'un câble. Hein? Le câble du peuple, combien de prises voulez-vous? Coudonc, la vente à pression, ça? Non, qu'est-ce que c'est ça, le corps du pape, monsieur? T'as mieux, ça a été long. Alors, vous voulez qu'on installe ça, là? Attends un petit peu, toi, là, si tu veux. Voyez-vous comme ce mur-là, il va falloir le faire tomber. Comment ça, faire tomber ce mur-là, hey? Faut faire tomber ce mur-là, ça va être correct. Ouais, c'est le mur de la salle de bain, ça, là. On va passer le plage. Hey, mais là, ton affaire du pape, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a plus de mur sur la salle de bain, là. Pis? Là, on a le bol à l'air, là. Mais c'est pas bien grave, même c'est bien mieux. Quand je te parle à travers la porte de la toilette, tu m'entends pas, tu me réponds pas. Ben là, tu vas m'entendre, tu vas me répondre. Bon, j'ai pas besoin de répondre à tes besoins, moi, là. OK, si vous avez la boîte d'entrée, là, vous avez le récepteur, là, vous avez le déconneur. On dit décodeur en passant, monsieur. Ah, mais vous entendiez ce qui sort de là, vous allez dire déconneur, vous autres avec. Ouais, mais combien ça coûte cette affaire-là, là? De le savoir la facture. Non, comment ça marche, ça, là? Regarde, il y a un piton ici, c'est marqué radio. Chanteur Hugues Aufray, qui interprète en français les chansons de Ozzy Osbourne. C'est un heureux mélange, et nous en écoutons un extrait. Brouillard sur le cimetière, y a des vautours juchés sur les pierres. Un paquet de zombies pompettes, pour après moi avec une machette. Chauve-souris dans le hangar, y a du sang sur le prélat. Il y a un pendu dans la cour, Satan s'en vient faire un petit tour. On a tous la bouche en sang et on rit. Ma blonde sort avec Satan, youpi youpi. Ouais, mais on l'a, radio, nous. Ah, oh, il y a un autre piton ici, c'est marqué tome 2. Parfois, dans la rue, et en particulier dans les arrières-cours, on peut surprendre les gens dans leur plus stricte intimité. Ah, est-ce qu'il est minou, là? Il est dehors, là. Je vais l'appeler pour qu'il vienne manger, là. Ouais, il faut lui mettre son collier à puce, là. Minou, 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 minou. Viens, mon petit minou, viens, ma belle pitonne, viens voir maman, tu peux manger. Voyons. Viens, minou, 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 viens, ma petite pitonne, viens voir maman, tu peux manger, 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 tu peux manger. Pour vous éviter cette gêne, il y a quand même les émissions de radio spécialement conçues pour l'appel du minou. Ah ouais, voyons, essaye-toi. Alors pourquoi qu'on met pas la prière à la radio à place? Ah ben encore. OK. Minou, 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 viens t'en manger ton petit collier à pouce, viens voir maman du bon Miss Mio. Minou, 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 viens voir maman du bon Miss Mio, manger ton petit collier à pouce, minou. Chose certaine, l'appel du minou a une sonorité tellement étrange qu'il peut induire les voisins en erreur. Hey, Georgette, ça sonne, le téléphone, là. J'ai entendu, j'y vais, là. Oui, allô? Hey, ça sonne à raccrocher. Comment ça sonne à raccrocher? Ben, parce que raccroché. Ah, ben, gardons ça, c'est la voisine sur son balcon qui sonne de même. Bon, ça se peut-tu, elle se prend pour un téléphone, là? Puis après, tu me prends bien pour une valise, toi? En se promenant plus vers les rues du centre-ville, on a de fortes chances de croiser des magasins très spécialisés. En article Nouvel Âge, par exemple. Les conversations qu'on y entend sont très intéressantes. Bon, le champ doit pas être loin, là. Attends un petit peu. Quoi? Il y a une boutique Nouvel Âge, là. J'aimerais ça aller la voir. Qu'est-ce que c'est ça, Nouvel Âge? Je sais pas ce que c'est, Nouvel Âge. Tu as fait à quelqu'un, quoi? Hé, que t'es donfant. Dis-moi, là, c'est quoi? Le Nouvel Âge, ça se trouve être une sorte de. C'est ben, 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 fun. Ah, ça me dit quelque chose. Viens, t'en chérie, on va aller voir. Pas trop longtemps, là. Non, non. Bonjour. Bonjour. Ça sent bien bizarre ici. Commence pas, toi. Est-ce qu'on peut vous aider? Ah, puis on s'en vient faire un petit tour. Bon. C'est vraiment bon, cette musique, hein? Ah, vous aimez ça? Ça, c'est Lion Manesh, c'est qui a mouche la miche? Là. Ah, ah, j'ai quelque chose d'encore meilleur qui vient de paraître. Ah oui? Incroyable. Ah oui? Flickenpel Tragagnogprud. Bon. C'est très, très bien. En fait, son nom d'artiste, ça. Ah. Son vrai nom, c'est Gilles Thibodeau. Ah. Oh. Mais c'est bon. On va le faire écouter un petit bout. Ah, ben oui. Ah. Ben certain. On va commencer par enlever celui-là, là. C'est relaxant, hein? Et on s'en va dessus. Fais-tu attendre? C'est l'autre, ça? C'est ça. Ça semble la même maudite affaire. Oh non, détrompez-vous, là. C'est un artiste qui a beaucoup plus d'expérience. Sa technique est meilleure. Eh hey, oui, tu connais rien là-dedans, toi, laisse donc faire. Ouais, mais écoute-le, on dirait que c'est endormi à la tête de son clavier puis tu tournes de bord une fois de temps en temps. Hey. Ah non, non, monsieur, là, la différence est assez flagrante quand même. Ouais. Ah, c'est vrai, si tu j'écoute, là, c'est différent, ça a pas de bon sens. N'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Ouais, franchement. Hey, j'espère que je me tromperai pas de char dans le parking, moi. Hey, Roger, ça va faire. Hey, coudon, Mitsu pis la Sagouine, ça se peut-tu que c'est des jumelles, ça? Hey, ok, ça fait. Ah, ben maudit, gars, ça, j'ai mis un soulier puis un patin un matin. Roger! Distrait. Parce que vous savez, monsieur, c'est un artiste qui a beaucoup cherché avant de trouver cette sonorité-là, là.
Hey, il a fallu que Scherf trouve ça, il doit être mêlé dans le métro, lui. Roger! Oui, mais écoute ça. Monsieur, qu'est-ce que vous avez comme littérature sur le nouvel âge? Ah, moi, je vous conseillerais Découverte de soi. Ah oui? Avez-vous Découverte en satin aussi? Maudite, t'es plate! Ah, il existe un ouvrage très intéressant aussi qui s'appelle L'écoute des sons de ton corps. Oh, ça, Roger, c'est intéressant, là. Bon. Il paraît qu'il faut toujours écouter les sons de nos corps. Chaque fois que je te fais écouter les miens, tu me traites d'impoli. Jésus! J'ai quelque chose de très bien ici, un livre qui vient avec une cassette là sur une technique orientale. Ah, montre-moi donc ça, ouais. Ouais. Le voici. Wow. Yin et Yan. Ah, oh, je connais c'est ça. Tu les ding-dong du Japon, ça quoi? Ben non, mon Jésus. Oh, t'es friand! Ouais, bonne! Oh, la papaye, c'est là! Arrête, Roger! Yin et Yan. Ben oui, c'est ça. Monsieur, est-ce que vous avez des espèces de petites pierres polies, là? Oui, toutes les pierres sont dans le présentoir, là-bas, là. Viens voir ça, Roger. Oui, mais là, je t'en ai, là. Ce sera pas long, regarde. Ça, c'est une opale, mm-hmm. Et ça, c'est une agate. Okay. Tu les tiens toutes les deux dans chacune de tes mains, là. Et t'es supposé sentir l'énergie des deux pierres qui montent dans tes bras jusqu'à tes épaules. Pas vrai. Est-ce que tu sens l'opale? Opale, moi, j'en pas. Ah, niaiseux. L'agate? Agate, donc ça, si j'ai de l'énergie. Et sans dessin. Oh, regarde, des quartz! Des quoi? Oh, ça, on devrait en acheter aussi. Hey, wow, là. Prends-les dans tes mains, tu vas voir. Bon. Est-ce que tu sens monter l'énergie? La seule chose que je sens monter, là, c'est la facture, là. Oh, t'es plate! Ben oui. Oh, as-tu vu le beau livre? Quoi? La communication avec l'au-delà. Bon, maudit. Bon, c'est bien, toi, tu ne t'intéresses qu'au hockey. C'est ça. Moi, c'est la communication avec Odeline. Ah, va donc chez le... La rue peut aussi être le théâtre du dénouement final d'une scène qui a pu commencer ailleurs. Par exemple, au 32e étage d'un édifice à bureau. Hey, salut Henri! Hey, salut toi, salut! Ah oui! Bah, bon, pis ton petit, il va bien? Ah ouais, ça va bien! Hey, bon. 6 mois et demi, hey, pis c'est pas des farces! Bon. Hey, je donnais son père là, un petit peu, Manny m'a regardé ah dans ouais. Face, il dit, même il dit, catapoté! Ah, il a dit ça! Exactement, gars! Bon! Catapoté! Ah, félicitations, mon gars! Hey, t'es quoi? 6 mois et demi! Ben, oui. Hey! Bon. Après ça, ben, faut que j'y aille, moi! Après ça, il mouillé sa couche, tu sais? Ouais! Pis là, Manny m'a regardé, il dit, papi, papa! Ah, ben c'est bon! Il dit, il dit, ah, c'est bon! Hey, 6 mois et demi, il dit, 6 mois et demi! C'est très bon! Papi, papa, il dit ça! Bon, moi, 6 mois et demi, je disais pas ça! Hey, c'est pas tout, Manny! Je suis pressé, là. À un moment donné, regarde la boîte de Pablum. Ouais. Là, il dit Capoué. Il dit ça même en regardant la boîte de Pablum. Il dit Capoué. Faut que je trouve une sortie. Capoué. Vas-tu me lâcher? Il dit hey. Oh oui, j'ai entendu. Capoué. Je m'en vais dîner, là. Hey, ça a-tu du bon sens? J'ai-tu hâte qu'il grandisse son bébé, moi? Je pense que je vais prendre congé aujourd'hui, là. Hey, puis là, à un moment donné. Oh shit. Là, il dit. Il a chié, Capoué. Ah, ben là, je me sauve. Attends, oui. Certain qu'il m'a t'attendre. Cours après moi, tu vas voir, là. Il me suit encore, lui, là. Je vais traverser la rue, qu'il va quand même pas me suivre jusqu'à l'autre bord de la rue. Bon, ça y est, tout le monde me regarde. Le taxi. Vite, le taxi. Attends-moi. Oui, monsieur. N'importe où, pèsez sur le gaz, vite. On y va, monsieur. Le gars qui court en arrière, on l'embarque pas, lui. Ben non, c'est de lui que je me sauve. Ah, qu'est-ce qu'il vous a fait? Dépêchez-vous, il court vite. Oui, mais je suis au maximum, moi, là. Oh non. Ça se peut pas, il nous rattrape. Ici, après la porte du char. Attends. Et puis là, à un moment donné, là, il fait... Chauffeur, changez de direction. Hey, ça se peut-tu que ce soit un nouveau père, ça? Ah, oh, vous avez remarqué ça, vous? Oui. Plus vite! À un autre moment donné, il a fait... Oh, ben, c'est drôle, parce que moi aussi, j'en ai eu un petit enfant il y a pas longtemps. Pas sérieux. Ouais, puis justement, hier, il me regardait, puis il faisait... Non! Oui. Au secours! Je veux descendre ici! Descendez-moi ici! Ouais, puis juste après ça, là, il a fait... Fagani! They are here to kill. Don't miss the return of the nouveau père que petit bébé fait vous Les rues sont loin d'être pareilles partout. Certains pays très éloignés baignent dans une sonorité quotidienne considérablement différente. Ah, pas fâché d'être arrivé. Elle est petite, la chambre, hein? Ouais, ça sent drôle un peu aussi. Ouais. Hey, c'est quoi cette affaire-là? À l'air d'une radio. Hey, on écoute-tu voir quel genre de musique qu'ils ont? Ah, oui, donc. Ouais. T'avais-tu amené des disques, toi? Ben non. Allez, go. Hey, fermeras-tu la porte? Elle est mal fermée. Ben oui, regardons ça. Tiens. Clock'em. Ben voyons, elle veut pas fermer comme faut. Clock'em. Hey, il sonne bien bizarre, le porte, c'est. Elle veut même pas fermer. Ben, ferme-la plus fort. Clock'em d'oshin. Bon. On ouvre-tu la lumière? Il fait noir un petit peu. Ouvre-la. Ouais, mais il est où, le piton? Ah, il est juste ici, là. Moi, l'ouvrir, moi, qu'un. Torieux, ils ont les pitons ici. Ouais, je commence à trouver ça un petit peu bizarre, ce pays-là, moi. T'as voulu venir d'un pays de l'Est? Ben, t'es d'un pays de l'Est. Ah, je le sais, mais. Hein? Qu'il y a? Il y a un minou juste là, regarde. Ok. Il est pareil comme le nôtre. Ah, ben, au moins, les chats sont pareils. En tout cas, quasiment pareil. Oh, ça cogne à la porte. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais là? Je marche en pays de l'Est.
Oui, monsieur. C'est ouvert le trop pâle où j'irai. Ben, le dénombre qui va s'ouvrir au jour. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est la bière qu'on a commandée. Ah, oh, ça va faire du bien, ça. Quand je t'ouvre la tienne, là. Voyons. Ben, ils se dévissent pas, eux autres. Ils se débouchent. Garde, il y a un débouche, là. Ah, ok, c'est vrai. Quand? Shit, une dash, Nathan. Bon, je vais te la verser. Pas trop, là. Ok, merci. Pis. Ça goûte drôle. Ah, et moi, il faut que j'aille aux toilettes. Ils sont juste là, là. Ah, oh, ça se peut-tu? Il y a même pas de porte. Ben, pis. Ben, tu sais. Ah, écoute, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu penses que ça me dérange de devoir faire ton petit papier? Ok, ok. Ben, c'est qu'il y a. Tu veux-tu que je m'en aille? Non, ça sera pas long, là. Je vais l'avoir, ça s'en vient, là. Bon. As-tu vu comment ça sonne, les toilettes, ça? Ouf, j'ai eu peur. Je pensais que tu sonnais toujours comme ça, toi. Bon, c'est ça quand il n'y a pas de porte. Bon. Hey, on ouvre-tu la fenêtre un petit peu? Ouais, il fait chaud. Ouvre-la donc. Yeah, Schlitten! C'est une belle ville, pareil, hein? Oui, je trouve ça assez romantique. Hé, hey, il y a un petit oiseau juste là, gars. Ah, gadon. Petit oiseau, pit pit, pit pit! Ben voyons, pit pit, un petit oiseau d'un pays de l'Est. C'est pas de même qui sonne les oiseaux ici de pente. Ok. Laisse-moi donc faire, t'es mal collé ton petit oiseau, tu vas voir. Pit pit in a club and then a pit pit and dozen squishing. Là. Ah, va donc chez le diable, Dadden. De toutes les rues, c'est le chemin de la vie qui est le plus aventureux. Un vrai jeu d'arcade. Isabelle? Quoi? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est un nouveau jeu d'ordinateur que papa vient d'acheter. Veux-tu l'essayer? Ah, c'est le fun? Ben, essaye-toi, tu vas voir. Ça s'appelle Vie et carrière. Ah. Oh. Viens prendre le joystick, là. Comment ça marche? Bon, regarde, tu vois la petite fille sur l'écran, là? Ça, c'est toi, ça. Ah. Ben, avance. Comme ça, là. OK. C'est beau. Là, tu sors du ventre de ta mère. Qu'est-ce que je fais? Regarde la petite porte, là, ça, c'est ton école de primaire, là. Oui, là, qu'est-ce que je fais, là? Il faut pas que tu manques la petite porte, sinon tu vas toujours recommencer. C'est beau. C'est pas pire, hein? Oui, c'est bien. Hey, y a un petit bonhomme, c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le petit bonhomme avec le bonnet d'âne. Lui, faut pas que tu y touches parce que tu vas avoir un bonnet d'âne, toi aussi. Saute par-dessus, là. Saute par-dessus. Ah. Ben, là, tu perds une vie, là. Mais qu'est-ce que ça fait? Bon, là, vois-tu, là, t'as le petit bulletin, là. Va le chercher, lui. Hein? Va chercher le petit bulletin. Saute. Comme ça? C'est beau. Oh, c'est bien stressant, ça. Ah, là, t'arrives à ton école secondaire, là. Manque pas l'entrée. Oui, je l'ai eu. C'est bien. Attention, la petite caisse de bière qui s'en vient, là. Tire dessus avec le joystick, là. Ouais? Tire dessus. Comment je fais? Le bouton. Hey, je l'ai eu. C'est beau, Isabelle. Hey, c'est quoi ça? Ça, c'est 3 petites seringues, là. Tu vas sauter par-dessus. Saute par-dessus les 3. 1, 2, 3. C'est bien, ça. Hey, là, lâche pas, ça va bien, là. Le petit gars qui s'en vient, là. Lui, là. Hey, faut que tu fasses attention, ce petit gars-là, là. Avant d'aller le voir, va chercher le condom qui est là. Où ça? Vite, va chercher le condom avant de toucher au petit gars. Quel condom? Celui qui est là, marqué 300 points, là. Ah, oh, il est déjà passé. Bon, là, t'es enceinte, là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, là, t'as une vie de plus, mais tu vas avancer plus lentement. Ben, pis, je suis pas mort. Bon, là, t'as tes bulletins, là. Regarde, tous les bulletins qui sont là, ils ont tous des points dessus, là. Va chercher le plus gros. Ouais, le plus gros. Va chercher le 500, là. Ah, shit. Bon, va chercher le 400. Maudit. Va chercher le 300. Non, mais ça passe trop vite. Là, manque pas le 200, là. Ben oui, mais... Bon, parfait. Mais ça donne quoi, ce bulletin-là? Ben, là, t'auras pas le choix d'aller en communication, là. Et là, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je fais, là? Ben, ça, c'est ta bourse. Va chercher ta bourse. Vite. Ah, oh, shit. Ben, regarde, le petit bonhomme qui est là, c'est ton père, là, avec l'argent. Poigne-les, ça. Ah, c'est comme si c'était toi. C'est comme si c'était moi, oui. Oh, t'es manqué, hein, papa? Oui, tu m'as manqué beaucoup. Ben là, qu'est-ce qu'on fait à cette heure, là? Ben là, ça te prend de l'argent pour rentrer dans tes études, là. Ah, tiens, il y a un petit guichet automatique qui s'en vient, là. Hein? Bon, prends ta petite bombe puis lance-la. Ce piton-là, là? Hey, c'est quoi cet auto-là, papa? La police, t'as. Saute par-dessus. Hein? Saute par-dessus la police. Ah, oh, shit. Bon, t'as perdu une autre vie. Mais tu peux rentrer en communication, t'es. Là, l'université, là, manque pas à porte, là. Ben oui! Bon, là, c'est ton bac qui s'en vient, là. Saute, va le chercher. Hein, c'est bien facile. Oh, ce bout-là, niaiseux. Ça, c'est quoi, cette grosse maison-là? Bon, là, c'est rendu que t'as un emploi à la télévision, là. Là, fais attention de pas manquer. OK! Et qui sont agressifs quand ils sont rendus sur le marché du travail. Faisons maintenant notre devoir de communauté et écoutons un peu de radio communautaire. I'm walking in the park tonight and I'm singing my little lullaby. When I see someone who just passed by, I open my trench coat and show my little lullaby. On vient d'entendre. D'ailleurs, j'ai pas la pochette, je pense que... Ah, elle est en arrière. Je vais essayer. C'est un petit peu loin, je sais pas si je vais me rendre avec ma chaise. Je tombe en bas de ma chaise. Bon, des choses qui arrivent. Alors voilà, j'ai le CD ici, c'est le groupe Peel Off the Paper Before to Fix on the Floor. Oh, c'est pas le CD, ça c'est... C'est une tuile que j'ai ramassée qui a décollé. Enfin, vous écoutez C'est décassé, la radio communautaire, et c'est Louis-Paul Fafaralar qui parle au micro. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas d'auditeur, faut bien parler à quelque chose. Alors, j'ai un communiqué ici qui nous parle d'une exposition de posthume, vous savez, de café de céréales, une exposition de café de céréales ici qui... Non, exposition posthume, pardon. Je me suis trompé. L'erreur est humaine, comme le dit si bien notre directeur des programmes à toutes les 15 minutes. Et c'est un sculpteur, donc, mort. Et ça nous déçoit. Ben, en fait, non, je veux dire, c'est dommage. Fus-nous heureux de... Non, fus-nous... Fus-nous été heureux qu'il l'ait su encore de parmi... Fus-t'été heureux. Fus-t'a le tu là. Il est mort. Et puis, quand on est mort et qu'on expose, quand... Non, je veux dire... Quand... Il est mort, mais c'est une exposition après... C'est une exposition posthume, donc il expose, même s'il est mort. Il est exposé. C'est pas qu'il est exposé en ce moment.
Hey, madame, viens-t'en dans mon auto. On va aller faire un tour dans mon abri tempo. Et après, on va piquer des heures. Nos parcs commémoratifs, la souvenance. Et ensuite, on va retourner chez nous. S'allumer une bonne petite pipe et visionner toutes les vidéos dans le chien et loup que j'ai enregistré depuis que je travaille à cette émission-là. Hey, avant je chantais pour les 77 ans, Astor chante à la santé de Satan. On va recommencer ça. Asti, je suis pas capable. Ouais, les guitares, là. Oui, monsieur. C'est combien, ça? Guitare acoustique ou guitare classique? C'est quoi, ça? La guitare acoustique, c'est une guitare d'accompagnement. Ça se joue avec un pic. Ben, pis l'autre, elle joue avec une pelle, je sais pas. Pardon? Laisse faire. Faut pas me creuser une cave que je veux, moi, c'est jouer de la guitare. Musique en tue-tête? Musique en têtu? Ouais, c'est une bonne guitare, là. Pour vous accompagner? Non, écoute bien, c'est pas pour aller prendre une marche avec, là, c'est pour jouer. Jouer de la guitare. Oui, oui. Zing-a-ling, zing-a-ling-a-ling. Oui, monsieur. Hein? Bon. On a un modèle qui est assez intéressant ici, là. La sonorité est vraiment fantastique, là, pour 450$. Hey, toi, là, je m'appelle pas Jimi Hendrix et ses baronnets, moi, là. Non, non. C'est pas au forum que je m'en vais jouer, là, c'est chez nous. Ben, j'aurais. Hey, veux-tu mon autographe, toi, là? Ben, j'avais un autre modèle, monsieur. Ben, en fait, c'est parce que ça commence à 79$. Ouais, mais à 80$, là, je veux dire. Oui. Les accords, là. Oui. Sont-tu tout dessus? Ah, ben. Ça, les accords, monsieur, c'est vous qui les faites, hein? Ouais, je sais bien. T'es pas sérieux, toi, là? Ben oui. Ah, ben ça, c'est de valeur, ça. Hey, moi, je voulais une guitare, là, qui joue tout seul, puis qui retourne dans sa boîte après. Bon, t'es quoi, je vais appeler ailleurs. T'en as-tu bien des guitares, toi? On a à peu près 200. Hey, ça doit pas être un cadeau de courir après ça. Monsieur. En tout cas, si tu vois un pic passer, dis salut. Puis, fais attention, pas te faire plier sur le pied pour un piano à queue. Ça pèse un chien, ça. Hey! Hey, salut, là. Mona! Quoi? Hey, je t'appelle, moi, là. Comment ça? Non, je t'appelle, là. Ben quoi? Le gars, il dit, les accords, là. Il dit, il faut que t'es fasses. Ben, c'est certain. Non, non, mais je t'ai pas. Comment ça? Non, 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 non. C'est, il y a raison. Je t'ai pas. Musique zikazouk. Ouais, tu déguitares des épées, toi. Pour quelqu'un qui débute. Ouais, qui débute, là, mais qui a du beat. Mais qui débute. Mais qui a du beat. C'est vous qui débute? Ouais, mais j'ai du beat. Je vous demande ça, c'est parce qu'on a un spécial. Si vous achetez l'étui avec la guitare, on va vous donner une méthode. Un beau cadeau, ça. Ça prend une méthode pour mettre une guitare dans l'étui? Non, je veux dire une méthode pour apprendre à jouer la guitare. On a une petite série, là, qui est bien belle fun, là. Il y a le livre Je commence à la guitare. Ouais, c'est cute, ça. Mais si vous êtes débutant, là, très très débutant, il y a le livre qui précède, là, Je commence à commencer la guitare. Ouais, ça tombe bien, j'ai 2 ans et demi, moi. Mais il y a le livre aussi un petit peu plus avancé, si ça peut vous intéresser, là. Je commence à maîtriser la guitare. Ah, c'est bon, ça. Vous pouvez prendre tout, je pense. Puis aussi le livre, là, que quand on joue plus, là, Je commence à être écœuré de la guitare, tout ça. Non. Ah, tu l'as, c'est de valeur. Ben, je vais appeler ailleurs. Hey, j'ai acheté un livre la semaine passée, c'est bon, c'est... Je commence à raccrocher le téléphone, connais-tu ça? Hey, je suis rendu papy, écoute bien ça. Bon. Hey, il serait bon d'une garderie, lui. Hé! Musical Mart. Une guitare, t'en as-tu? C'est combien? J'en ai plein, des excellents prix, pas cher, j'ai le meilleur stock en ville, le meilleur prix. Bon, rien qui parle. C'est... Certain, monsieur. As-tu des feuilles de musique, là? Pardon? Tu sais, les feuilles, la musique en feuilles, là, la toune, c'est une poupée, tout ça? Ah, connais pas. Ben voyons. En tout cas, je pense pas que je l'ai. Ben, tout le monde connaît ça, c'est la tune. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Connais pas ça? Je pense pas, non. Ben voyons. Ben, c'est une poupée. Mona! Ouais. C'est quoi dans l'air, là? C'est une poupée. Non, 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 non. Après, c'est quoi? Journée qui fait non, 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 non. Tu fais là, là? Je tousse. Ouais, t'es mieux de tousser, là.
Alors, dis-moi pas que tu connais pas ça, là. C'est une poupée qui fait nanana. Après, il y a un bout, là, ça fait. Ça me dit rien. Ah oui, c'est une poupée. Ah, mange la main. Chacun sait qu'il y a deux façons de prendre la vie. A, changer le négatif en positif, et B, changer le positif en négatif. La chanson suivante est dans la catégorie A. J'étais dans ma douche, glou glou glou, ah ah, et en m'essuyant, chlif chlif, me regarde dans le miroir, j'ai pris du poids, c'est effrayant. Bon, on va s'appeler, pas capable. J'ai glissé sur une petite flaque d'eau, puis je me suis cassé les dents d'en haut. Maudit torieux, chlif, c'est là, glou glou glou, ah ah, chlif chlif, c'est là, bon, on va s'appeler, pas capable. C'est là, maudit torieux, c'est la vie. Après, j'étais allé au centre-ville en auto, on voyait avant, c'était, j'ai trouvé un parking, poignée de suite, en reculant dedans, j'ai tout scratché, une belle Mercedes Bing. Oh non, son propriétaire arrive, je vous salue Marie, pleine de grâce, en tout cas, c'est sûr que j'ai plus de caries, vraiment beau bon sourire, c'est là, envoyé avant, c'est pêche, poignée de suite, c'est là. Oh non, hey, écoute, tu penses-tu qu'il va me rester une mâchoire après cette note? C'est la vie, solo. Oh oui, Gontran. Étendons-nous un peu. Oui, oui, oh. Laisse-moi te regarder, te parler en buvant dans tes yeux. Arrête ça. Je pense qu'il est passé un petit moto. Qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, t'avais une graine dans l'œil chaton. Et c'est là. Oui, oui, oh. Ah. Qui c'est ça? C'est le voisin. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui fais du bruit. Ouais, puis je fais ce que je veux. C'est la vie. Oui, c'était lui. Oui, c'est lui. Ben, viens-tu te coucher? Un peu, cherche mes dents. Notre interprétation des événements de la vie dépend souvent de l'ambiance. Par exemple, un simple extrait de chanson peut modifier notre attitude. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, matin? Hey, m'en va faire réparer le galipeur de charge chez le concessionnaire. Il dit galipeur, c'est pas garanti. Moi, il m'avait dit que c'était garanti, le galipeur. Puis il garantit pas, le galipeur. Hey, il m'avait dit qu'il garantissait, le galipeur. Qu'est-ce que c'est, un galipeur? Je sais pas, mais il va le garantir en maudit. Là, j'appelle le boss, moi, là. Hey! Hey, calme-toi, toi, là. Ils m'auront pas ces morons-là, moi. Qu'est-ce que t'as dit? Ils m'auront pas ces morons-là, moi. Ça veut dire quoi, ça va pas les maudire en malon? C'est ça que j'ai dit remaudit mon mot, les popons. Hein? Hey, laisse-nous faire, toi, là. Service. Le patron, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Tu vas voir que ça va brasser en maudit. Je suis pas gêné, moi. Demain, on s'achètera un seul. On l'a montré, moi, ça va pas long, quoi. On déjeunera chez Greenberg. On va casser la gueule, s'il faut. Et on lavera nos anges d'hiver. T'as le dit, moi. Je suis prêt à y aller, moi. Je te fabriquerai, ma belle. Une boîte à masque sculptée d'une bouteille d'eau de Javel. Hey, ils me font pas peur, hein. Nous vivrons heureux. Et voilà notre vie à deux. Papa, 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 papa. Qu'est-ce que je voulais, là? Ah oui, oui, je suis allé dans votre garage pour faire arranger mon galipeur, moi, là. Oui. Puis le garagiste, il m'a dit que c'était pas garanti, ça. Ah, s'il l'a dit. Mais c'est pas supposé être garanti, ça? Non. C'est quoi, c'est un galipeur? Je le sais pas, mais c'est pas garanti. Ben, merci, hein. M'excuse d'avoir dérangé, là. Bye. Victorieux! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, toi, t'es agressif! Hey, qui c'est qui chante ça? Tu sais, la toune, là. On déjeunera chez Greenberg, la 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 la. Tu sais, là? Connais pas ça, oui. Colin, je vais rappeler, je pense. Mais si un extrait de chanson peut modifier notre attitude, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Les éditions Croteau, bonjour. Bonjour, mademoiselle, mes respects. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. À la bonne heure. Vous m'envoyez ravie. C'est merveilleux. C'est fantastique. Il fait 10 degrés. Bien sûr. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas trop, bien sûr, de me mettre en communication avec monsieur Croteau? Mais ce sera un plaisir. Wow. Vous êtes charmante. Merci. Bonne journée. Vous aussi, ce ne sera pas long. D'accord. Y'a du sang qui coule partout, la 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 la. J'ai trois chauves-souris d'un coup, la 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 la. J'ai un serpent dans mes bobettes, la 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 la. Y'a des rats dans ma toilette, la 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 la. La politique c'est de la merde, la 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 la. À la moutarde, la 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 la. Oui, allô? Croteau, ah, c'est ce cher Gontran. Ça t'a bien pris du temps à répondre, maudit cornet. Comment allez-vous, mon cher? Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, une tape sur la gueule? Les personnes les plus positives sont par le fait même les plus généreuses, mais elles ne sont pas les plus reposantes. Hey, salut, Jean-Charles. Ah ben, maudit, hey, salut. Ça va? Hey, t'es en forme? Ah, papi. Hey, dis bonjour à ta famille pour moi, hein. Bonne chance avec ton dentiste, puis viens donc faire un tour au chalet. Ah ben, merci. Hein?
Hey, bye. Bye, bonne journée en maudit. Salut. Hey, Jean-Charles. Roger, ben, pis ta grippe, toi? Ouais, pas mal dans le pire, là. Hey, prends ton congé aujourd'hui, t'inquiète, je t'embrasse, là, t'invoie des fleurs. Et prends un bon suppositoire, là, sauce ça dans la moutarde de Dijon, pis envoie-toi ça, pis essaye de pas parler. Ouais, essayez. Tu vas voir, c'est dur en maudit. Hey, t'es okay? Bien fait. Hey, salut, pis repose-toi donc, toi, là. Ben, m'en faire ça. Salut. Hey, merci, là. Ben, Gérard. Salut, Jean-Charles. Salut, toi. Salut. Ah, maudit que t'es beau. Merci. Hey, viens à la maison dimanche, toi, là. Okay. Tiens, je vais te faire un chèque de 2000$ samedi. Pas obligé. Hey, le frigidaire est là, en tout cas. Amène tout ton quartier, on va jouer aux poches. OK. Hein? Salut. Bye. Hey, toi. Salut. Hey, comment ça va, toi? Ben, tiens. Hey. On passe pire. Ah, ben, si t'as des problèmes, là, j'ai de la place en masse. Tiens, là, 100$, prends mon char, va t'acheter quelque chose, puis avec le change, prends quelque chose à ma santé. Si t'as rien à faire, passe donc mon bureau, va jouer par chez eux. Ah, ben, c'est correct. Salut, là. Hey, bien. Salut. Hey, Paul. Hey, Jean-Jean. Hey, c'est toi, là. Salut. Hey, toi, t'es pointonu, toi. Parle-moi de ça, moi, un gars comme toi. Hey, gars, prends mes culottes, là, va faire un heure de jogging, puis tu vas voir comment ça garde la chaleur. Hey, samedi, si tu veux, je t'aide à bâtir ton cabanon, tu me le dis, hein. J'ai pas de cabanon. Ben, moi, t'en as acheté un, moi, t'as de bâtir. Passe à la maison, on va regarder le hockey que je viens de m'acheter. Okay. Oh, c'est ça. Viens donc, fais attention à toi. Fais attention, fais attention. Ouais. Salut. Salut. Gardons, si c'est pas Ginette qui a donc l'air en forme, gardons ça. Hey, Jean-Charles. Hey, t'as une belle cravate. Ah, ben, je t'adonne. Mais voyons, garde-la, voyons. Oh, non, non, il faut au moins une demi-heure, je la porte, là. Hey, si tu manques de quelque chose, toi, dans ton set de salon, tu me le dis, hein. Ben, j'ai assez de fauteuils chez nous, que le temps que je choisisse une place pour m'asseoir, c'est le temps de se coucher. Ah, bon? Hey, dis à ta mère bonjour, là. Merci. Puis salut à ton père, puis embrasse ton concierge, french ton facteur, puis fais une coupe de préliminaire à ton côté d'assurance. Ben, certain. Hey, pogne mon portefeuille, puis va donc loader mes cartes. Ah, ouais, ouais. Hey, salut, là. Hey, salut. Hey, Régent. Hey, maudit, Jean-Jean. Hey, maudit. Hey, toi. Hey, c'est toi qui es parqué en face de moi, là. Ah, ça se peut, tu as ramené. Hey, si ça te tente de reculer dans mon char une coupe de coups, tu te gênes pas, hein. Okay. Hey, le frigidaire est là. Je t'avais-tu donné les clés de mon club de golf, t'es? Non, c'est pas moi. Ben, livre, là. Hey, veux-tu que j'aille te chercher quelque chose? Non, non, moi, je connais. Ah, t'as-tu frais, t'as-tu faim, ça te pue-tu? Non, non, c'est bien beau. Hein. Appelle-moi donc vendredi, je vais t'aider avec mon set de poulies, là, on va aller lever ton bloc moteur. Ah, j'ai pas de moteur, j'ai pas de char. Ben, on lèvera ta galerie, ton rieux. Ah, ben, hey, ben, bye. T'es bien fin. Hey, Jean-Charles. Hey, Georges, tu rayonnes, toi, là. Oh, ça fait le pas ben. Mazo un peu, là, pis... Oh, mais Colin, appelle-moi donc en fin de semaine. Viens, t'en chez nous. Hey, toi, moi, t'en crissé une bonne, moi. Ah, ben, très bien, ça. Ben, certain. Hey, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 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 3
jadis de verdure tapissée, maintenant c'est du... On vient d'entendre un album assez rare du duo québécois. Les prestataires chroniques qui est un spectacle au carcajou puant. Spectacle, ma foi, très, très intime. Alors, j'ai un communiqué. D'abord, bonjour, vous êtes à l'antenne de CDKC, radio communautaire, et nous sommes en radio temps. J'ai un communiqué, donc, qui est ici. Il y a une marche de statut de femme dans la rue demain, et, c'est-à-dire une marche du statut de la femme. Le conseil, le statut de la femme qui marche dans la rue demain. C'est-à-dire une grande marche de femme pour le statut, qui, c'est temps d'arrêter ça, ces choses de sexisme, parce que, faut arrêter d'accepter ça. Ben, en fait, on n'aurait jamais dû accepter ça. En fait, on l'a jamais accepté, mais faut continuer. Il y a beaucoup trop de femmes qui ont pas d'affaires à se faire traiter de... Il y a personne qui a le droit de... Le sexisme par rapport aux... Les femmes par rapport qui luttent depuis longtemps, pensez-y, parce que c'est une bonne chose. Ma sœur à son bureau, c'était écœurant. Moi, je dis ménage à deux, l'amour, vaisselle, pas vaisselle. Si vous y allez pas, essayez d'y aller, parce que c'est une bonne chose, parce que c'est bien bon que les hommes arrêtent de penser que c'est des... Ils ont le gros bout du bâton, comme on dit. C'est plutôt le contraire. Les femmes sont... ont plus le... Par rapport aux... C'est parce que la lutte, c'est... Ils sont... Ils ont... Ils font bien. Il y a une marche des femmes demain, donc statut. J'ai été un petit peu vexé quand j'ai lu le journal ce matin. La critique qui parle de notre radio ici, c'est décassé, qui dit que, qu'on s'écoute parler puis c'est tout rien que ça qu'on fait. Moi, je trouve que c'est pas exact du tout ce qui est écrit. Si on s'écoutait parler tant que ça, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de faire la radio. Bon, mon message est passé. Alors, autre communiqué ici très intéressant, c'est une exposition qui va arriver bientôt. Des masques de plâtre. Sauf que ces masques-là, l'artiste les fait plutôt sur le, ce qu'on pourrait appeler les fesses. En fait, plutôt que de faire un masque sur le visage, il les fait sur... Les multiples fesses qui sont passées à son atelier, à tour de rôle, en fait. Il a pris beaucoup de modèles de fesses, des fesses de monde, là. Il a mis des, les a masquées. Là, en fait, il a fait un masque avec les, un masque de, il les assoit pas sur le plâtre, en fait. Il masque, il les couche, il les met du plâtre sur les fesses, il les met la forme des fesses, il expose ça, lui, sur les murs. Et, il paraît qu'il faut pas bouger quand on se fait plâtrer le derrière, comme on dit, parce que ça, faut pas serrer, les fesses, ça peut craquer. Très compliqué. Et, tu peux pas te lever pendant que ça sèche. Tu peux pas te promener les fesses nues plâtre partout dans les ateliers. Ça pue sur Saint-Laurent. Les rues font plein de trous de deux. Le métro est rendu cher à Montréal. Sur le plateau, au genre, ça passe plus. Parce qu'il y a des pistes de ski dans la rue. Pis des Indiens en colère qui ont des longs portes alimentaires. Mais ça, c'est rien. Chaque fin, ça, c'était, ça, c'était, ça, c'était, ça, c'était. On va rigoler. Pour financer l'événement, ils vont te mettre plein de tickets devant ton char. Champlain, Jean Cartier, c'est des noms qui ont traversé dans l'histoire. Champlain, Jean Cartier, c'est des ponts qu'on peut pas traverser sans histoire. Puis ça, c'est rien. Check, c'est ponce d'été, ponce d'été, ponce d'été, ponce d'été. On va rester collés. Des parcs municipaux, y'a toujours des garlots qui rouvrent leur petit manteau. Montréal. Lily Limité, bonjour. Ouais, l'élite, là, c'est combien, ça? Ça dépend. Simple, double, queen, king. Non, c'est le fun, ça. Ils engagent des Chinois, puis ils apprennent même pas à parler le français. C'est ça qui arrive, là, quand on reste dans des villes cosmopolitaines. On dit cosmopolite. Bon, le petit cerveau, là. C'est ça qu'on dit. Ouais, laisse donc faire, le petit cerveau. C'est cosmopolite. Oh, ouais, c'est ça, les cerveaux, là. Connais ça? Il y a du cosmopolitaine, mais maudit d'affaires. Matelas de l'Ida. Je vais apprendre le cosmopolite, je vais en faire, mais rien faire avec ça. Allô? Je vais vous montrer, mais c'est vrai, c'est. Oui, allô? Bon, voilà ça, monsieur le cosmopolite, monsieur le cosmopolite, si je veux, je vais pas. Voyons, c'est bien, non? Oui, allô, oui. Ouais, qu'est-ce que t'as dans le lit, toi? Ah, dans le lit, moi, j'ai toujours comme une espèce de blocus, là. Je suis assez intimidé par les filles. Eh, hey, toi, là, je suis pas Huppette Grou, moi, là. Vous êtes pas qui? Je suis pas Huppette Grou, moi, là. C'est Huguette Prou. Bon, le cerveau. Bah, c'est ça. Ah, le cerveau, là. C'est Huguette Prou, monsieur. Bon, un autre cerveau. Hey, Mona! Quoi? Viens d'en trouver un qui était dans la même classe que toi. Eh, j'ai aucune. Lily Lalonde? Ouais, t'es élite. Ben, t'es élite, toi aussi. En tout cas, au moins, j'ai raccroché avant lui. Matelas crissé dans le front? Ouais, Lily.
Tu sais, les lits, là. Chaises, les lits. Ben, à partir de 400$, j'ai quelque chose de très confortable. Ah, ouais, c'est pas trop chaise. Pas pire. On peut-tu mettre de côté ou. Oui, mais ça va être moins confortable. Ouais, lui, là, c'est mieux de pas insister trop, lui. Je sais pas, il y a quelque chose, lui. Il y a un petit quelque chose. Oui, allô, ici Charles, des lits coutures. Ouais, à combien ça part, un bon lit, là? Ouf, donnez-y 10 piastres, puis il va s'en aller. Hey, ça donne bien, je voulais justement me rouler à terre, moi, là. Pardon? Hey, ça donne bien. On vient de passer à la balieuse, je vais me rouler à terre, moi, là. Hey, bouge pas, je me roule à terre, OK? Oui, monsieur? Non, hey, écoute bien ça, je me roule à terre, là. Écoute ça. Hey, écoute bien. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, allô? Allô? Bon, faites bien, maudit. Hey, merci, ça, c'est une bonne pératie. On dit thérapie. Hey, toi, le cerveau. Ouais, un bon lit, moi, là. Ah, ben, ça tombe bien, parce qu'en spécial, on a un super bon modèle double, là, tellement solide, là. Tu sautes là-dessus, tu fais des pirouettes, tu tombes dessus, tu l'envoies en bas des marches. C'est ça. Le lendemain matin, t'arrives à la job, puis t'es tellement fatigué que tu dors sur le bureau. Pour réussir dans le domaine des communications, il est élémentaire d'avoir une bonne articulation et de projeter sa voix à un niveau très au-dessus de la moyenne. Les cours de théâtre sont parfaits pour cet exercice. Bien, Monsieur Gaspier! Bonjour, Marguerite. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous apprendre! Ah, tiens donc, voilà qui est inquiétant! Et de quoi s'agit-il? Je ne sais point si je puis vous le dire, car j'ai peur qu'on nous entende! Allons, voyons, allons! Vous n'avez qu'à me le dire doucement à l'oreille! Alors approchez! D'accord! Eh bien, voici! Je crois que votre femme est enceinte! Bon. Eh bien, vous ne réagissez point! Ce sera pas long, là. Un, deux, trois, deux. Mais non seulement faut-il projeter et articuler au théâtre, il faut aussi être convaincant. Bon, vous êtes prêts à la scène, là? Oui, oui. Bon, on va reprendre la dernière page de l'acte 2, s'il vous plaît. OK. Sors, toi. Ah oui, je sais. Quand vous serez prêts. Tiens, te voilà donc, mais où étais-tu? Bof, tu sais. Mon Dieu, comme tu as l'air agité. Tu n'es pas comme d'habitude. Chérie, je ne peux garder ce secret qui me ronge jusqu'au trip. J'aime Madeleine, elle m'habite, je dois te quitter. Quoi, cette salope? Tu ne m'en as jamais... Quoi, cette salope depuis que... Tu ne m'en as jamais parlé. Quoi, cette salope, depuis quand tu ne m'en as jamais parlé? Cesse de crier ainsi à toute tête. Tes sanglots sont inutiles. Je t'aimerai toujours, mais cette fois-ci, c'est trop. Égoïste, sans cœur, tu oses me laisser alors que je suis enceinte et que ma sœur vient de se défigurer dans un accident de pelouse et que ma mère... L'orgelet de ma mère. Et que l'orgelet de ma mère prend des proportions. Mais, chérie, je... Pas un mot de plus, sors et sois maudit. Tu ne comprends rien et tu ne vois pas à quel point je suis aussi dans le malheur. Je m'en vais de ce pas, comme un incompris. Salut. C'était-tu correct? Les communicateurs doivent apprendre plusieurs choses, notamment à ne pas empiéter sur ce que dit leur interlocuteur, le genre de détails qui frappe lorsqu'on regarde certaines stations de télé. C'est tout pour l'émission Votre Santé et vous. Restez à l'écoute dans quelques instants pour Savoir pour savoir. C'était-tu correct? Savoir pour savoir. Bienvenue à Savoir pour savoir. Et aujourd'hui, on parle plein air, car il faut quand même, pour en profiter pleinement, savoir comment le faire, le plein air. Pierre-Louis, bonjour, Dupuis. Bonjour, Marie-Claude. Votre petit fascicule nous traite de comment se renseigner pour savoir comment le... Parce que le plein air, pour en profiter pleinement, comment le faire? Oui, c'est important, parce que le plein air, c'est pour en profiter pleinement, il faut quand même savoir comment le faire. C'est un petit fascicule que je viens de faire pour renseigner les gens sur comment bien profiter pleinement du plein air. Parce que si on ne sait pas comment le faire pour profiter pleinement du plein air, ça ne sert à rien. Non. Il faut savoir comment profiter pleinement. Dans certaines émissions, il est moins nécessaire d'exercer son élocution que de se déplacer sur le plateau, dans les concours télévisés, par exemple. Bonjour, 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 tout le monde est en forme, ça va bien? Oui! Bon, on a toute l'équipe au grand complet, celle qui s'occupe de tourner est lettre. Ouais, celui qui s'occupe d'animer aussi. Bon, ben elle a le sens de la répartir pour de ça. OK, notre première participante, Agnès. Bonsoir. Oh, Agnès, qu'est-ce que vous faites de bon, vous? Je suis assistante dentaire. Pardon? Je suis assistante dentaire. Bon, alors Agnès qui est assistante dentaire, vous faites votre premier jeu. Je tourne. Oui, allô? Ben, hey, c'est fini la claquette, hein? Y a pas de claquette, ça. I'm singing in the rain, just here. Oh, que c'est dommage, 5$, qu'est-ce que vous décidez? Bien, je retourne. C'est une bonne idée, ça. Bye. Bonjour, à la prochaine. Bon, une de retournée. Notre prochaine concurrente, Diane, qu'est-ce que vous faites comme jeu? Je tourne. OK, approchez pas trop votre tête de la roue, là. Quoi? Oh, pauvre vous autres. Alors, choisissez une lettre pour 50$. Y a-t-il un T? Y en a 28! Bon, notre tourneuse va achever de tourner ses lettres, là. Ben, les derrière, là. C'est long, c'est long. Ah oui, y en a 28, là, tu sais. Ben oui, mais l'émission dure une demi-heure. Bon, il en reste deux. Ah. Alors, vous avez une lettre déjà, Diane. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je tourne. Ben oui, mais là, faut pas tourner autour de la roue, là. Il faut tourner la roue. Ah, mais là, je me ferais pas fourrer une deuxième fois avec sa crise de rouleur. Moi, je me suis fait péter la gueule une fois, il me ferais pas rouler une deuxième. Bon, OK, alors, je vais vous donner une jambette, puis on va voir vis-à-vis quel montant votre tête va arriver, ça va? Hein? Attention. OK.
500 beaux dollars. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Y a-t-il un dé? Un dé? Il y en a 28! Bon, ça va plus vite en moto pour tourner les lettres. Hey Donald, le break là-dessus! Le quoi? Le break! Le break, c'est après l'émission, mais ben, c'est pas tout de suite. Bon, faut toujours que ça y ait un break, elle. Je tourne! Hey, vous autres, attendez un petit peu, là. Je tourne! Hey, pas trop vite, là. Je tourne! Hey, wow, oh, madame, là, faites attention. Je tourne! Hey, la roue va débarquer, là. Hey! Bon, ça y est, attrapez-la! Attrapez la roue! Elle s'en va dehors, la torieuse. Bon, les caméras nous suivent-tu, là? Oui, oui! Hey, elle vient de traverser une roue sans se faire frapper. C'est une vraie roue chanceuse, ça. OK, je l'ai. Bon, Paul, il l'a pogné. Venez ici, madame, là. Oui. Bon. Ah, vous êtes pas chanceuse, vous êtes tombée sur passer votre tour. Ah, oh ben c'est pas grave, je suis rendue chez nous de toute façon. Par contre, dans des émissions de télé qui souvent ne sont pas les plus écoutées, l'articulation est primordiale. Cette vieille planche a repassé et elle a même laissé un message, on peut la rejoindre au 201000. Motoneige dans sa remorque remontée à 9, mais on peut facilement la redescendre à 2010087. Hibou en paillé, manteau en paillette, potiche en faïence, pas cher à payer parce que têteux en faillite. 3-3-2-3-3-3. Jarre à bonbons, tuc à pompons, livre de Tintin, horloge coucou, linge pour bébé, peau à pipi et tutu, on rejoint Toto 0802. Lampe de stellar dégueu en vieille broche de cintre, également peinture de velours, autographiée par velours lui-même, prix à s'ostiner 1-2-2-2-2. Ces 12 serviettes n'ont jamais servi, ces 6 assiettes n'ont jamais assis, ce 7 de dinette n'a jamais dit, Henriette qui n'a plus d'Henri 1-2-7-3-2 de lit. Ce sauve-pantalon ne s'est jamais sauvé, ce presse-purée n'a jamais pressé, on prend donc son temps, on signale le 0. Système de son Juliette et dictionnaire Robert, rencontrez donc Ben Marie et Shampoing Rogier, 028888. Ces deux paires de gogoons en Fentex glissent sur le plancher à une vitesse moyenne de 35 à 40 km. Aussi casque protecteur, cause d'essai, 50-50-50. Espèce de gugus en cylindre pour taper des boulettes de steak haché tout égal et les mettre au congélateur. Le steak encore à l'intérieur, pas capable d'enlever. Légèrement abîmé parce que calissé sur le mur, on demande 5$ et beaucoup de patience. 2-8-2-2-2-2-2-2. Cet ensemble n'est pas si haut. Vous pouvez donc l'atteindre au 0-3-4-7-2-7-3-4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 -7-
Vous savez qu'on s'occupe en ce moment de la préservation du tapis en Nouvelle-Guinée, parce qu'on sait que le tapis est en voie de disparition là-bas, c'est intéressant. Parce qu'il est chassé pour son poil court. Excusez, c'est tapir. Pardon? Tapir. Ah, tapir. Oui. C'est un animal. C'est ça, c'est un animal. Okay. Raoul, bonjour. Bonjour. En passant, c'est plus en Australie qu'en Nouvelle-Guinée là, qu'on va trouver les derniers spécimens là, de tapis. Oui, c'est intéressant. Si tu veux venir t'asseoir ici. Hein? Ben, moi, tu veux rester dans la chaise berçante, mais sans, sans trop te bercer. OK, OK. Ça va aller mieux comme ça. Bon. Bon. OK. Okay. Toi, avant de t'occuper de la préservation des tapis, je vois que tu dois communiquer que tu faisais des ateliers d'intérieur. Mon prof de maths, je le trouve flat, vient de verrue grosse comme une tomate. Dans la classe, tout le monde la voit, il promenouille, puis on se lance des petites boules de papier. Mon prof de français, c'est un motif, puis il parle pas mieux que Stéphane Richer. Il fait des fautes sur le tableau, il devrait enseigner le boulot. Lui, je l'aime, il est fait slim comme dans les films. Avec ses petites shorts serrées, on voit tout son set de clips. À l'école, toutes les profs sont dolles. Fait que j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. On parlera pas de mon prof d'anglais, il a l'air d'une truite pis sans mauvais. C'est un prof, mes seuls mots qu'il connaît, c'est yes, toaster pis partenet. Mon prof de bio, il est même pas bio. Mon prof de philo, c'est un filou. Ma prof de religion, elle a un chignon, c'est une école de con. Arrive à l'école en jeans, on y regarde tout le paquet, puis on bave tout sur le parquet. À l'école, toutes les profs sont dolles, fait que toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. Allez, on va voir le prof de gym. Allez, ok. Et ici, voilà le prochain frappeur. Ici, le prochain frappeur. L'autre après fera plus peur. Et de toute façon, dans les expos, il n'y en a pas de frappeur. Un frappeur, ça frappe en bas de 200, ça. Oh, la balle est frappée très haut et très loin! Et c'est le grand Chelem! Chelem, ce frappeur-là, oui! Alors voilà les joueurs qui rentrent au marbre en riant. Voilà le prochain frappeur. Yeah! Un point produit. As-tu un problème, Jim? Non, non. Yeah! Bat, bat, boy, cogne circuit, oui, t'es au bat, bat, cogne jusqu'à des caries, jusqu'à... J'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. Allez, on va voir le prof de gym, allez, ok. Oh. Et c'est le grand Chelem! Chelem, ce frappeur-là, oui! Alors voilà les joueurs qui rentrent au marbre en riant. Année, ils ont le moral ben pépé. Allô, Philippe! Tiens, Tim, te wallack! Où est-ce qu'il est rendu, Gary? Il va revenir dans un quarter! Lâche ma calotte, Marcus! Prochaine fois, je t'en grissume. Voilà, c'est un coup de sacrifice. Oh, et là, un sacrifice de coup. Walker est au troisième, Spike Owen est au deuxième, puis Youpi est au rez-de-chaussée. T'es au bat, bat, boy, cogne circuit, cogne circuit. Oui, t'es au bat, bat, cogne jusqu'où j't'assis, où j't'assis. Cogne assez fort pour que les gars au champ se rendent dedans. Je l'ai. T'es au bat, bat, boy, cogne l'asti, cogne l'asti. Come on, les gars, come on, des lino. Capitaine, j'aperçois un navire qui semble venir de Pittsburgh. Ça, c'est des pirates, passe-moi le porte-voix. Merci. De rien. Hey, les pirates, c'est nous autres qui est au bateau. Je suis les autres, on dit malon. Souffleuses et frères. Ouais, si vous avez des souffleuses, là. Nous autres, on a un modèle, c'est une souffleuse à chenilles. C'est une souffleuse à neige que je cherche, moi. Ah oui, c'est ça, c'est une souffleuse à neige, c'est juste qu'elle a des chenilles. Enlève les chenilles, faites pas le ménage, vous autres. Mais non, vous comprenez pas, là, c'est juste qu'à la place des roues, c'est des chenilles qui poussent la souffleuse. Oui, tes chenilles, ils ont-tu mangé des stéréos abominables, eux autres, là? On dit stéroïdes anabolisants. Bon, tu as entendu le petit cerveau. Pardon? Bon, écoute-toi, tes chenilles, là, mec, ils viennent des papillons, tu me le diras, on va aller faire du deltaplane, hein? Pardon, monsieur. Ouais, le fun, ça? Tu donnes-tu une garantie sur ta souffleuse, mettons, à part à voler, là? Ben là, hein? Hey, bye, là. Hey, petit coco, ça. Hey, lui, il faut qu'il mette une tuque l'hiver, lui, là. Petite tête de même, ça gèle vite, ça. Le cousin de la souffleuse du côté de sa mère? Ouais, t'as-tu des souffleuses, toi, là? Moi, j'ai des taureaux. Bon, l'autre, t'as des chenilles, toi, t'as des bœufs. Pardon? Hey, ça doit bien aller quand même déneiger qu'un taureau, hein. Absolument. Ah oui, tu lui poses une gratte, là, puis là, tu l'écœures un peu qu'une petite couverte rouge, là. Ouais. Fais toute ton allée. Je peux-tu vous aider? Hey, toi, là. Bon, Hey, bye, là.
Dieu? Olé, hey! Oui? Olé! Olé? Hey, taureau, olé! Ouais. Hey, toi là! Oui, monsieur. Hey, je le prendrais bien ton taureau, mais j'ai pas assez de foin. Taureau, foin. Hey, bye là. Bonjour. Bye. Coucou. Non, non, il est fin. C'est juste qu'il est bien fin. Mon père disait, il dit, tant que c'est fin. Il vend des souffleuses? Ouais, il vend-tu à litière avec? Hein? Qu'est-ce que t'as d'insouffleuse là? Un instant. Les souffleuses, là. Oui. On s'entend-tu, là, souffleuses, là? Ouais, moi, ce que j'ai, là, c'est du Craftman. Hey, OK, man. Pardon? Du Craft, toi, man. OK, oui. Man. Oui. Hey, t'es cool, toi, là, man, là, puis... Hey, salut, man, là, man. Pardon? En tout cas, man, pas le fin, man, là, man. Monsieur, hey, man, toi, là. Salut, man. Bonjour. Hey, man, il vend du Craft, lui. Hey, comme dans l'annonce, là. Vos enfants, lorsqu'ils en reviennent de l'école, préparez-leur ce délicieux souffleuse au fromage Craft, man. Hey, man, hey. La souffleuse incorporée fait que l'appel est encastré. Ouais, tu dis souffleuse, toi, man! Oui, j'ai le plus récent modèle japonais ici, là. Ouais. Avec un canon ultra flexible, là, vraiment bien. Canon, ça, c'est. Ça, c'est ce qui envoie la neige, là. Ouais. Ça, vous pouvez diriger la neige beaucoup mieux que sur les autres modèles. Ouais, de toute façon, je veux pas diriger la neige sur les autres modèles, mais. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur toutes les directions que vous voulez envoyer la neige, là, partout, là. Ouais. Gauche, devant, droite, haut et bas. Ouais, mais il l'envoie pas en arrière? Ben non. Il l'envoie pas partout, de bord. Ben, c'est pas nécessaire, monsieur. C'est une fausse présentation, ça. Mais en arrière, monsieur. Non, si ça... partout, c'est partout, ben en arrière aussi. Mais ça sert à rien, en arrière. Non, oui, même pas en arrière. Non, mais c'est parce qu'en arrière, monsieur. Non. Ça donne rien. C'est correct. Ben oui, mais monsieur. Hey, bye. Hey, Mona. Ouais. Lui, il dit que sa souffleuse envoie la neige partout, mais l'envoie pas en arrière. Ouais, mais ça l'envoie en arrière, tu vas l'avoir d'en face. Bon, tu cerveau. Ben, c'est vrai. Einstein, là. Ça, c'est Einstein qui parle, là. Ben, c'est vrai. Hey, t'as-tu étudié en souffleuse, toi, là? Tu le connais même pas, Einstein. Moi, je le connais pas, Einstein. Je le connais, Einstein. Ben, non, tu le connais pas, Einstein. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il a découvert. Tout ce que tu fais, c'est écouter du rap. Ouais, tu sais qu'est-ce qu'il a découvert, Einstein. J'écoute pas rien que du rap, là. Ben, qu'est-ce qu'il a découvert? Il y a chose, là. E égale MC Hammer, là. Vous écoutez Sexe Conseil, cette émission de radio à laquelle vous pouvez faire pleinement confiance. Vous me téléphonez, vous me racontez vos petits problèmes en toute confidence, en toute intimité. Juste à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel. Bonjour. Bonjour. Oui, ben moi c'est un petit peu gênant. Là. Allons-y. Y a mon fils est étudiant. Il est étudiant. Et il a l'habitude ces temps-ci. Oui. De comment je pourrais vous dire ça? Allons. Il se fait plaisir avec un aspirateur. Allô? Ben, dites à votre fils que je lui souhaite beaucoup de succion dans ses études. Hoover. Hoover. On prend un autre appel. Eh bien, mon mari, lorsqu'il fait l'amour, il est déçu. Il est déçu. Déçu dans le sens de pas dessous, là. Ah, déçu. Ouais, puis il est sous. Ben, il est sous ou ben déçu? Ben, il est déçu, mais il est sous. Ah, il est sous, puis il est déçu. Ouais, puis je suis déçu. Ben là, c'est lui qui est déçu. Moi, je suis déçu parce qu'il est sous. Attends, vous êtes déçu, lui, il est déçu. Puis moi, je suis déçu parce qu'il est sous, déçu. Ok, vous êtes déçu parce qu'il est toujours déçu, puis vous êtes déçu parce qu'il est sous. Je suis déçu parce qu'il est déçu, puis sous, puis je suis déçu parce que j'aimerais être déçu. Ben là, à ce moment-là, il serait déçu, sous. Il serait sous, déçu. Vous seriez plus déçu, dessus? Ça dépend si j'ai sous. On prend un autre appel, bonjour. Allô? Moi, c'est au sujet de ma blonde qui. Qui d'autre? Veut absolument que. que ça se passe par derrière. Parce que elle ne supporte pas de voir mes boutons. Ben écoutez, c'est le temps des fêtes. Alors on vous souhaite un joyeux anal et puis une bonne acné. On prend un autre appel, bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi votre problème? Mon épouse. Ah, bon. Je crois qu'elle n'est pas très satisfaite de... De vous? Mm-hmm. Et je l'ai surprise dans le garage l'autre jour. Elle se complaisait sur le bras de transmission de la voiture. Allô? Bon, écoutez. Oui. C'est quoi la marque de votre voiture, là? Mon char, Hyundai. Bon, ben là, c'est votre char, Hyundai. Pardon? Non, mais écoutez. Oui. Faut pas vous surprendre si votre Hyundai excelle plus que vous. Mais là, mettez-vous à ma place, là. Elle était assise sur le bras de vitesse, quand même. Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Pensez-vous que c'est parce que mon épouse n'est plus intéressée, qu'elle veut changer de vie? J'ai plutôt l'impression qu'elle veut changer de vitesse. Hein? On prend un autre appel, bonjour. Oui, mon chum ne s'appétisse plus tellement de moi. Pauvre lui. Et il décide de faire affaire avec ce qu'on pourrait peut-être appeler une professionnelle. Oui. Qui se spécialise dans l'amour oral aux personnes précoces au nord de Montréal. Ah bon? À Laval des Rapides. Chacun sa spécialité. Est bonne. On prend un autre appel, bonjour. Oui, moi, ma blonde... Oui? Ben voyons, accouche. Excusez, là. Denis! Ferme-donc la tondeuse dans le garage, là. Non. Nous disions donc? Ouais, moi, c'est ma blonde. Je suis rentré chez nous il y a pas longtemps, puis je l'ai surpris, là. Elle était en train de se rentrer. Tu sais, les grosses guimauves blanches, là? Elle est en train de s'en rentrer 4-5 dans le... Puis, j'ai demandé pourquoi qu'elle faisait ça, puis elle a dit que c'était à cause que... Elle, puis moi, que sexuellement, ça marche pas fort. Ça marche moelleux? Hein?
On prend un autre appel, bonjour. Bonjour, moi c'est mon chum, là. Je vais vous le dire carrément, là, disons. Lui, il aime ça que je lui mette de l'huile à moteur sur le sexe, là, avec un couteau à beurre. C'est-tu normal, ça? Vous avez pas peur de le castrol? On en prend un dernier, bonjour. Moi, je viens pas. Ben, reste chez vous. On écoute un peu de musique. Come on, baby. Où es-tu rendu? Non, il reste encore en étage. Coudon, c'est bien haut chez vous. Qu'est-ce que tu veux? Pas d'ascenseur. Bon, tu visites là? Oui. Ah. Oui. Enfin. On se calait avec Lise. Dis-moi pas que tu les as perdus. On ose qu'à réclave là. Regarde pas trop le désordre. Trop tard, je l'ai vu. On dit qu'on était soufflé. Veux-tu boire quelque chose? Qu'est-ce que t'as? J'ai du V8. Des petits jus McCain en carton, puis du lait au chocolat. Je suis pas sûr de la date. Chut, mon système d'alarme. Oh non, es-tu relié à la centrale? Il est relié à la centrale. Je vais le fermer. Tiens. Qui c'est ça? Bonjour, monsieur. Chut, on a une chanson romantique, là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. Police municipale. Oui, j'ai vu à calotte. Y a-tu un problème? Non, mon système est parti tout seul. Bye. Bonsoir. Bon, je vais tenir une vue. Ok. Je tiens là. C'est celui-là, là? Ok. Avec l'élastique, là. Ah oui, je sais, mais il est bien tendu. Oui, fais attention, il part vite. Quoi? Je te l'avais dit, t'es-tu fait de mal? Bon, là, enlève tes culottes, là, puis lâche-moi un peu. C'est ça que j'essaye de faire, mais la fly est bloquée. Je vais être obligé de les garder. J'ai pété ma plaie. Oh, baby. Fais donc un petit dodo, là. Revoici le moment de l'émission Sexe Conseil, où vous pouvez me parler de vos petits problèmes en toute intimité. Avec mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis en onde? Ça va très bien, vous-même. Moi, j'appelle parce que ma petite amie n'est pas satisfaite. En fait, elle m'accuse qu'elle ne prend pas plaisir. Et elle pallie. Du verbe pallier. À mes performances en utilisant une gomme à mâcher. En fait, qu'elle mâche et qu'elle se met tout de suite après à l'entrée de son. Oui, oui, ok. Et elle me demande ensuite de lui faire une balloune. Je pense que c'est parce que mon physique n'est pas à son goût. Non, non. C'est juste que peut-être qu'elle préfère une gomme à mâcher qu'un gomme à la mâcher. Ah, pensez-vous? On prend un autre appel, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est madame. Au sujet de ma petite fille, là. Bon. Que je soupçonne de commencer à se faire plaisir elle-même, là. D'accord. Hier, je l'ai surprise à se caresser devant la fenêtre. D'où le proverbe. Qui aime bien le châssis vient. Qui quoi? Excusez. On prend un autre appel. Oui, mon chum, il trippe beaucoup sur les techniques japonaises, là. Ah oui, le Kama Sutra. Il veut toujours qu'on écoute de la musique de chanteurs crooners américains par-dessus, là. Ah oui, ça, c'est le Kama Sinatra, ça, c'est puis, pas... même des fois, il veut qu'on fasse ça dans sa petite voiture, là. Ah, ça, c'est le Kama Sentra, ça, c'est pas pareil. Mais d'autres fois, il veut absolument qu'on fasse ça dans le lit avec toutes les couvertes par-dessus, qu'on voit plus rien, qu'on respire plus, là. Ça, c'est le Kama Sudra, ça, c'est très bon, ça. Des fois, c'est le fun, par exemple, il m'amène dans un hôtel, puis c'est lui qui paye, puis... Ah, c'est le Kama sur le bras, ça, c'est très bon, ça. La plupart du temps, par contre, je trouve qu'il fait pas attention, il sent des aisselles. Le Kama dessous de bras, ça, c'est... Me niaisez-vous, là? Allô? Bon, on va en prendre une autre, là. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Mon cas est peut-être un petit peu gênant, là. Alors, vous pouvez vous confier. Allez-y. Eh bien, oui, d'accord, j'irai droit au but. Mon épouse... Oui, ça va bien. ...aime me faire des caresses sexuelles. Tout est normal jusqu'à présent. Avec un épluche patate. Allô? Un pelle pomme de terre serait peut-être le terme exact. Puis... Est-ce que ça vous a plu? Pardon? On prend un autre appel. Bonjour. Oui, moi, c'est pour ma blonde. On la salue.
Je l'ai surpris à s'adonner au plaisir, là, avec un concombre. Et je me demande si c'est normal, là. Oh, tout à fait, tout à fait. C'est normal que vous le traitiez de concombre parce qu'il pense la même chose de vous autres. On prend un autre appel. Allô? Oh, ça a pas l'air affilé. Ouais, ben, ma blonde est plus bien satisfaite de mes performances, là. Ah, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Mais sois patient. À un moment donné, le jour va venir, mais pas toi. Mais, c'est comme... ce qui arrive, c'est que comme elle aime plus vraiment ça avec moi, là... Oui, disons-le. C'est parce qu'elle s'assoit sur le... Ah, oui, oui. Tu sais, l'affaire qui tourne dans la veuse, là. Puis, Mais c'est pas tellement grave, ça. C'est-tu la seule chose qu'elle fait? Ah, non. C'est en site, elle regarde pas mal d'un bord pis de l'autre, m'a dit. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Si tu t'assois sur un poteau de la veuse, tu vas regarder d'un bord pis de l'autre, toi, avec. Afin de se donner bonne conscience sociale et une coupe de jaunisse, écoutons un peu de radio communautaire. Je t'ai préposé à la veuse à tapis. Hot, hot, hot. J'avais pas vu ma petite souris sur le tapis. Est-ce qu'on convient avec le motif? À un moment donné, j'entends du poétique. Il y avait une petite touffe de poil qui virevoltait dans le rayon du soleil. A jamais dans ma chaîne, t'étais toute grossie. On vient d'entendre un groupe de musique alternative franco-guinéen. Et c'est une copie promotionnelle que j'ai la chance d'avoir ici. Donc je peux vous dire tout de suite que si vous voulez vous le procurer maintenant, je peux vous annoncer que ça va sûrement sortir A virus has been detected. Avec le reste de vos vidanges dans une couple de semaines. Alors voilà. Sur la pochette, c'est assez spécial, la pochette, la chanteuse qui est là et elle n'a aucun... Elle découvre ces deux... En fait, non, elle les connaissait, elle les découvre pas. Mais en fait, elle les découvre. Nous autres, on les découvre parce qu'elle a absolument rien. Elle porte. Son accoutrement est absent, en fait. Elle n'est pas choisie. Parce que ici, on est très, très prude hein, dans ce pays-ci, mais là-bas, c'est pas la même chose. Ils n'ont aucune prudentielle. Et, c'est très, très évident tout ce qu'elle ne porte pas, tout ce qu'elle peut ne porte pas. En fait, elle a tellement pas de linge, là. Puis tous les autres musiciens, c'est la même chose. Alors. Je veux pas m'attarder là-dessus, je veux pas vous penser que je suis impressionné de voir des gens qui... J'ai déjà vu du monde qui ont bien plus pas de linge que ça, là. Remarquez, pensez pas que c'est parce que je me tiens dans des places. Je me tiens pas dans des places. C'est que... Je vais juste vous parler de la poche pour que la reconnaissiez quand vous allez l'acheter. C'est... Vous allez voir, quand il y a pas de vêtements, que c'est ce disque-là. C'est Louis-Paul Fafard-Alard qui vous accompagne en remplacement de Gaston Côté-Gautier qui... dont les hémorroïdes n'ont pas pu rentrer aujourd'hui. C'est très douloureux. Il m'a appelé d'ailleurs, il m'a dit « Penses-tu être bon pour me remplacer ?» J'ai dit « Ben ça, c'est sûr, je vais te remplacer, mais je pense pas être bon. » On va passer au courrier qu'on a reçu. On a eu du courrier, oh, qu'on en a des piles. Vous hallucineriez de voir tout le courrier qu'on a que j'ai. Okay. Là, j'en ai pris beaucoup dans le... C'est incroyable. J'ai ici à garder comme par exemple, on a reçu quelque chose du Richelieu ici. C'est marqué « Profitez de nos spéciaux de la semaine. » Boîte de Thomas Telmer, 28-11-59 cents. Merci beaucoup aux gens de là-bas. Également une lettre qui nous provient de... Pardon? Bon, ok. C'est le micro. On va écouter... On va...